Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations, troisième vidéo, oui, c'est à la suite, hein, voilà. Vous voyez les tableaux là? Eh bien, c'est moi qui les ai faits. Ouais. Je faisais des cours de peinture, donc j'allais à des cours de peinture et c'est moi qui ai fait ces jolis tableaux et je les ai mis dans mon salon, voilà. Derrière, vous voyez le bazar, c'est sur mon chariot hein, de scrapbooking, voilà. J'espère que vous allez bien, voilà, pour cette nouvelle journée, cette nouvelle oracle, cette nouvelle carte d'oracle que nous allons créer ensemble. Voilà, donc là, c'est un autre genre, voilà. J'essaie de changer hein, pour que vous, pour les scrapeuses, que vous, ça vous donne des idées. Et puis, pour les personnes spirituelles, eh bien, aussi ça les motive et puis leur fasse pour faire leur oracle. Voilà, si vous pouvez faire votre oracle, je serai contente. Voilà, j'ai une copine qui m'a envoyé un message dû à la première vidéo et qui est scrapeuse et qui m'a dit oh, je suis contente que tu sois comme moi. Nous avons les mêmes choses en commun. Le scrap et puis la spiritualité, elle aussi. Donc elle, c'est depuis qu'elle est toute petite, voilà. Mais elle s'est renfermée sur elle-même à cause de ça. Et puis elle s'est, je ne vais pas dire son nom parce que voilà, ça regarde personne, voilà. Et surtout s'il y a de la famille autour d'elle, voilà, je ne veux pas faire d'histoire, moi. Voilà, donc je suis pour la paix. Voilà, donc j'ai... Oh, je vous montre tout de suite. Je vous passe sur mes mains. À tout de suite, les copines. Allez, voilà. C'est tout un cirque hein, quand je repasse sur les mains au salon parce que je change de côté en fait. Hein. C'est parce que voilà, c'est pour pas avoir la lumière de la fenêtre. Sinon, ça fait faux jour. Hein, j'ai vu, donc ça va pas. Voilà. Donc notre nouvelle page. Donc l'autre fois, on avait été à la boîte à livres et j'étais tombée sur ce livre. Très sympa et regardez dans c'est pour les enfants hein. Voilà. Et regardez il y a des mots regarde dans ce livre et j'ai trouvé ça génial voilà parce qu'il y a des mots il y a des aussi des images bien sûr voilà il y a plein d'images et j'aime beaucoup ce livre parce que ouais, vous voyez il y a des grandes phrases comme ça et voilà c'est super c'est en couleur c'est beau c'est gai c'est. Donc voilà, je commence à l'utiliser et puis je pense qu'il y en aura plusieurs dans mes cartes. Vous voyez, c'est très sympa, c'est rigolo. Voilà, j'aime ce qui est rigolo. Et du coup, là, j'ai fermé mon livre et j'ai demandé à mon guide, à mon ange gardien, de me prendre une page, d'ouvrir une page et puis je collerai cette page sur mon art journal. Donc je suis tombée là-dessus. Voilà, des mots, des lettres. Alors ça peut dire un message, ça peut dire voilà, quelque chose à dire, parler, message, voilà, communiquer, communication. Voilà. Voilà le mot que je marquerai. Et là, pareil, j'ai refait deux fois. Donc je suis tombée sur cette souris là. Les oreilles étaient violacées. Voilà. Bah, je les colle, même si après ça peut être caché par des tamponnages ou autre. Hein. Et là, il y a dans le texte, il y a un mot émotion. Et là, waouh, je suis tombée en. Et bien, j'ai dit émotion, communication. Ça peut être deux mots déjà que je peux réécrire sur ma carte. Voilà. Ça peut être un guide, si vous voulez, pour faire ma patouille. Donc, cette fois, donc j'ai collé ce papier. Et puis je vais repeindre un peu par-dessus avec l'aquarelle de pareil, c'était chez Action ça. Hein, voilà, petite aquarelle. Donc il faut aussi de l'eau avec un pinceau à réservoir ou un pinceau avec de l'eau. Voilà, puis le pantalon est bleu, ça, il y a du vert, du bleu. Voilà, donc j'ai envie de faire en bleu. Voilà, bleu foncé là. Donc je mets beaucoup d'eau. Et puis, je sais pas si je.
si je fais comme ça, ou... j'en sais rien, je laisse aller, voilà, je laisse aller, donc j'ai même pas fait ma respiration, donc j'ai éteint et puis je vais me le faire. Voilà, donc, j'ai respiré, je vide mon esprit, et puis je patouille, voilà. Ça peut très bien aller dessus, hein. Sur les mots, sur les trucs, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est, ça peut être n'importe quoi. Voilà, même si je repasse dessus, vous voyez, ça va pas faire grand chose, puisque c'est de l'eau, hein, donc voilà. Au contraire, ça va être même mieux. Voilà. Là j'ai du bleu qui reste de l'autre, ben, je vais l'utiliser, du bleu et blanc là, voilà. Parce qu'il est joli, c'est du turquoise et puis c'est très très joli. Donc là j'ai pas mis de gesso en dessous, hein. Je veux pas faire toujours les mêmes techniques, donc là c'est du papier, voilà. Donc là c'est dans les tons bleus, voilà. C'est, ça change. Même peindre le mot, il n'y a pas de souci. Je reprends du bleu là. Du vert aussi un peu, mais je vais mettre un peu des petites touches de vert. Ça fait un peu vert bleu, c'est très joli. J'aime bien. C'est un peu sur le dessin, c'est pas grave. Voilà, pour l'instant, c'est bon. C'est suffisant pour le fond. Mais je vais faire des tamponnages aussi. Hein. Voilà, ça c'est bon. Je vais rincer mon crayon, mon pinceau. Voilà. Bon, allez, je vais faire sécher et je reviens. Pardon, j'ai oublié de mettre la vidéo. Je suis en train de faire mon truc et puis voilà. Je suis partie dedans. Donc je suis en train de tamponner. Voilà, c'est venu comme ça. Puis voilà, je suis dedans. Donc c'est bien. C'est bien d'un sens parce que ça veut dire que je suis à fond. Et que c'est. Voilà. En fait, communication, livre. Lecture, écriture, voilà, communication, enfant, ça peut être aussi avec des enfants, parler, communiquer, voilà. Pour moi, ça veut dire ça, voilà. Même si un hérisson, c'est pas obligé que c'est des enfants, mais voilà, communication, parler, enfant, voilà. Désolée, j'ai continué seule en fait, voilà, je suis partie dedans et... Voilà, c'est comme ça. C'est bien. Ça prouve que je suis concentrée. Voilà. Que je pense plus même à la vidéo. Donc, c'est pas mal. Pas pour vous, hein. Mais c'est... Voilà. Bon, celui-là, le fichier. C'est pas mal pour moi. Voilà. Ok. Donc, voilà. Voilà ce que c'est. Cette carte donc pour moi, parce que je vous ai même pas montré de photos parce que c'est venu direct, voilà, donc il fallait que je fasse comme ça, j'ai voulu faire ces découpes de livres et puis c'est parti comme ça, voilà, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas d'inspiration, elle était déjà là.
Voilà, c'était la communication, écrire lettre ou mail. Voilà. Et ça, je vais marquer dessus. Donc, je vais choisir un peu. Je pense que je vais prendre un peu la moitié là. Je vais prendre cette souris. Voilà, je vais prendre à peu près par là pour la prochaine carte. Donc, il faut que je me base un peu à peu près comme ça. Voilà, que j'essaye de me mettre un peu dans ce que je veux. Voilà. Pour bien que la carte soit représentée. Voilà. Et ouais, donc j'en suis à la sixième carte et vous la 3. Voilà. J'en ai 3 de plus. Après, je peux en avoir plus si je fais pas de vidéo que j'oublie. C'est sûr que j'en aurai sûrement un peu plus. Voilà. Donc je vais essayer de pas déchirer. Pas évident de couper quand la page est encore tenue. Mais je préfère quand c'est tenu, comme ça bouge plus après, vous voyez. Après, je peux choisir ce que je veux. Voilà, ça pourra faire aussi pour des découpes. Bon, le mot émotion n'est pas dedans, mais ça, c'est pas grave. Voilà, je vais recouper à la grandeur qu'il faut. Donc, soit vous mesurez, soit vous mettez la grandeur. Je préfère puncher, voilà, parce que sinon des fois c'est pas super droit. Voilà, j'aime autant faire comme ça. Hop là, voilà, communication, mail, lettre. Voilà, ça peut être ça. Ouais, écriture, lettres, ouais, communication, ça peut être un, ouais. Je vais chercher un feutre. Voilà, j'ai été chercher mon feutre calligraphie numéro 2, que j'aime bien. Voilà. Et donc là, je vais marquer communication. Donc courrier, voilà, plutôt courrier. Il y a 2 R. Courrier, pas que je fasse des fautes. Courrier, mail. Voilà. Ici, je vais mettre mail. Voilà, comme ça parle un peu de cette chose-là. Communication, courrier, mail. Voilà, c'est peut-être une attente de mail, une attente de courrier, c'est génial. Hein? Très bien, c'est venu comme ça, voilà, il y a eu des lettres. Et hop, voilà, on a notre carte. Elle est venue toute seule à moi. Et c'est mignon, en plus, avec les souris, là. C'est trop, trop cool. Voilà, je vais faire le tour, comme d'habitude, avec ma Versafine vert, même si c'est pas grave, le bleu vert, donc en plus ça va bien. Mon petit doigt, il est là. Voilà. Donc, je vais rester dans le même ton, tout le temps. Même s'il y a du jaune, eh bien, je mettrai du vert. Même s'il y a du rouge, je mettrai du vert. Quand même, toujours autant. Mais c'est un vert foncé, donc ça va, ça passe partout, quoi. Voilà. C'est pas comme. Comme un bleu ou un rouge, voilà. Là, ça sera, toutes mes cartes auront le tour vert. Voilà, j'adore, encore une que voilà, que j'aime beaucoup, qui représente la communication. Voilà, c'est venu comme ça et j'adore. Voilà. À vous d'en faire une, voilà, sur ce qui vous vient. C'est peut-être pas la communication ni le courrier, ça peut être autre chose. Voilà, si vous pouvez m'envoyer pareil sur sur mon groupe Facebook tout en bas. Voilà, j'aimerais bien recevoir vos créations. Allez-y, n'hésitez pas, je serais vraiment heureuse de voir ce que vous avez créé. Puis ça peut me parler aussi, et puis
Voilà, si vous avez un petit problème, par exemple pour les mots, et que vous avez votre carte, eh bien, vous pouvez me l'envoyer en photo sur le groupe, et puis je peux toujours vous dire ce que ça représente. Voilà. Parce qu'on peut toujours trouver ce que ça peut représenter. Voilà. Par rapport à une forme, un dessin, une lettre. Voilà, vous voyez, on trouve toujours. Voilà. Merci, au revoir.